Ok, bah on y est. Bon bah voilà, c'est fait. Ah, je suis là. Allez, c'est parti, on va voir, on va découvrir ensemble l'intérieur, voir ce qu'il y a là-haut. On va monter les marches. Ah, le tapis rouge et tout. Tapis rouge, la totale. C'est parti. Gamescom. Alors qu'est-ce qui a marqué? Entertainment Area. Access Track Visitor. Ok. Ok, alors attends. Alors on va où? Alors de 1 à 3 à gauche. Ah bon, on va commencer à gauche. On va à gauche, hein. Allez, on va voir à gauche, on va voir ce qu'il y a. C'est la main noire. C'est la main noire. Thank you. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le plan actuel, Game Zone, je sais pas quoi. Bon, attends, ça on va le foutre dans le sac. Tiens, je peux le mettre dans le sac? Ah bah c'est un petit salon ça. Ah, il y a Planet Coaster. Cool. Et ça a l'air pas mal du tout ça. Les codes pour Train 2 et on a reçu les codes pour une réduction pour Train 3. Allez, parti 1.
folie. On est en train d'halluciner. Je suis en train de filmer avec Periscope. C'est ça que je suis en train de montrer. Il y a Erich qui veut que je pêche une Asiate. C'est hallucinant. Franchement hallucinant. Avec quelqu'un qui pirate toute une ville, monde ouvert, etc. Eh ouais, Little Poney. Little Poney, ouais. Voilà. Little Poney Online. Numéro 2. Numéro 2, ouais. Little Poney numéro 2, ouais. Ou alors on va plutôt essayer Watch Dog 2, je crois. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait faire la queue pour Watch Dog 2. Monde. À une heure à partir d'ici. Ouais, ben attends, t'as vu comment ça avance ? Avant. Ça avance super vite. Donc là, en fait, voilà ce qu'on voit nous de notre côté, je vous montre. Donc NBA 2K, WWE 2K. Un peu les boules parce que, comme dit, on n'a pas pu jouer à Watch Dogs 2. Mais bon, ce qui nous console avec Pampers, c'est que on a vu. Non, c'est qu'on a eu un pit. On a montré le pit qu'on a eu. On a eu un pit. Mais surtout, ce qu'on retient de la conférence qu'on a vue, on n'avait pas le droit de filmer. Mais ce qu'on retient, c'est que le multi, en fait, par rapport à Watch Dogs 1, personnellement, ce que j'ai vu par rapport à Watch Dogs 1, c'est du coopératif parce qu'on a vu, c'est vraiment, vraiment chouette. C'était vraiment cool, ça donnait vraiment envie de. Ouais, ça donnait vraiment vraiment envie d'essayer de jouer. Graphiquement c'était pas dégueulasse et on l'a vu la version PS4. Et franchement visuellement il y avait. Tu vois super loin, c'est super beau. Ça envoyait vraiment du lourd. Bon là on va manger et puis je reprends plus tard.